Vie antérieure avec Sandra le mardi 5 mai 2020. 5-5. Celle qui se pose, celle qui a besoin de se poser, en fait. D'accord? Trouver une stabilité. Aujourd'hui, c'est pas anodin aussi, hein, les dates, quand on prend les dates par rapport aussi aux consultations, le 5 représente celles qui ont besoin de s'ancrer, de bien s'ancrer, et dans toutes les formes, on me dit. D'accord? Sandra, on me dit que vous êtes quand même une âme qui avait voyagé, hein? On me montre une âme qui avait beaucoup bougé, hein? Dans plusieurs activités, dans plusieurs choses, pardon. Et on est en train de me dire aussi que elle a été très enrichissante, même si parfois elle a été peut-être désastreuse pour vous, mais elle a été enrichissante pour comprendre aussi des choses. D'accord? Alors, là, on vient dans une période. Période grecque. On parle de la période grecque. La Grèce antique, hein, on parle de la Grèce antique, 5e siècle avant, après Jésus-Christ. 5e siècle après Jésus-Christ. D'accord. Alors, c'est une période, on me dit, où. Comment dire? Vous êtes dans une famille où on aime s'amuser, hein? On me montre où l'amusement est très important, où le théâtre est très important. Voilà, on me montre une famille, comment dire, avec des moyens, qui hein? Pas forcément riche, mais qui a les moyens, qui travaille, qui a les moyens de vivre aisément, hein, c'est ce qu'on me montre. Hein. Il y a beaucoup d'enfants autour de vous, hein, on me montre que vous êtes une enfant parmi d'autres enfants, et on a l'impression qu'il y a deux familles qui vivent là, hein, d'accord? Il y a deux familles, on me dit comme deux frères hein, qui vivent dans la même maison. Alors, on me montre une maison qui est partagée avec une autre maison, mais qui sont ensemble. On me montre vraiment un jardin ensemble où tout le monde vit ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y a un mélange entre les garçons et les filles. Voilà, on est tous ensemble, on partage le repas ensemble. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, les repas ensemble. On me dit aussi, Sandra, que c'est peut-être quelque chose qui vous manque aujourd'hui. C'est justement cette sociabilité vers les autres, le besoin d'être toujours entouré. Parce qu'à cette période-là, vous étiez vraiment une personne qui était très entourée et très aimée et très appréciée. Alors, au moment de quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime jouer au théâtre, hein, vous êtes comme ça, hein, vous aimez jouer au théâtre, mais j'ai l'impression aussi que d'accord, on me dit que cette famille joue du théâtre, elle aime, comment dire, elle en vit aussi, d'accord, du théâtre. Alors, une fille qui joue des rôles de petit garçon, on me dit une fille qui joue des rôles de petit garçon, vous n'aimez pas forcément, on me montre, vous n'aimez pas vous habiller en petite fille, hein, on me montre surtout pour être plus à l'aise, on me montre plutôt des. Comment on appelle ça? Des pantalons, mais des pantalons larges qu'ils pourraient faire comme une robe, mais pantalons larges. En sachant que les Grecs s'habillaient en robe, hein, d'accord? Mais vous avez une certaine facilité à avoir des bleus, et on me montre que votre mère vous confectionne quelque chose pour couvrir vos jambes, mais ça fait comme des pantalons larges en fait. Vous voyez, voilà, pour pas que vous ayez des bleus, parce que vous me pensez qu'à la bagarre, vous amusez avec les armes en bois. Avec les cousins, il y a beaucoup de petits garçons, hein, au moment que vous avez été au milieu de petits garçons, et on vous reprend à un moment donné dans votre âge à vivre votre vie de jeune fille, et voilà, on vous interdit à un moment donné de ne plus jouer ce rôle de fille. Hein. C'est quelque chose qui va énormément vous choquer, hein, on vous montre que à cette période-là, il y avait un choc émotionnel par rapport à ça, surtout pourquoi les garçons ont droit à certaines choses et pas les filles. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui vous. Vous n'aviez plus le droit d'aller vous amuser avec eux, vous n'aviez plus le droit de les rencontrer, de les voir. Et vous ne compreniez pas, on ne vous avait pas expliqué aussi, d'accord, le rôle de la fille, le rôle du garçon. Hein, à un moment donné, on vous a. Voilà, il est temps, on montre vos 10 ans. Hein, vos 10 ans a été très. Comment dire, a été pour vous, 11, 10 ans, 10, 11 ans, on me montre que ça a été très difficile pour vous. Voilà. Je pense que vous deviez avoir presque 11 ans. Voilà. D'accord, la puberté. C'est la puberté qui commence chez vous, donc c'est pour ça. On se mélange plus, on se lave plus avec les garçons.
Ouais. Hein, ça pue avec les enfants. Vous étiez une enfant qui aimait vous baigner dans l'eau avec les garçons, vous laver avec les garçons. Bon, c'est... Alors, on me montre deux filles, hein, deux, trois filles. Je vois pas forcément les autres. J'ai l'impression que les autres sont plus grandes que vous. Hein, voilà, on me dit que oui. Elles sont plus âgées que vous et vous, vous êtes au milieu de ces petits garçons. Et puis, on commence à se poser des questions. Hein, voilà. D'accord. Hein, pour vous, c'est drôle, on m'explique ça, c'est comme si on vous avait enlevé une partie de vous. Hein, voilà, séparer de vous, c'est une partie de vous. Alors, d'accord. On me montre aussi, Sandra, que vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui est la fête, hein, tout ce qui est la fête, tout ce qui est festivité. Et on me montre une famille qui prépare comme une pièce de théâtre qui doit... préparer quelque chose, d'accord? Préparer une pièce de théâtre. Et j'ai l'impression aussi que on vous a donné des rôles de garçon, on vous faisait passer aussi pour un petit garçon, d'accord? Voilà, les cheveux à peu près jusque-là, bouclés, vous avez les cheveux bouclés noirs, hein, on vous montre aussi. Une peau très très blanche, hein, on vous couvre du. Voilà, on vous montre beaucoup de poudre blanche, on a l'impression que c'est comme du talc, hein, vous voyez, la poudre blanche, et vous faites des personnages autant garçons que filles, mais j'ai l'impression que, vous voyez, on me montre que les rôles des garçons, des hommes, ils font en même temps, les adultes font des rôles de femmes, c'est pas fait pour les femmes, vous voyez, on me montre que c'est, voilà, qu'ils font des rôles de femmes, ils font des rôles d'hommes en même temps, d'accord, hein, voilà. Vous êtes quelqu'un qui a admiré énormément. D'accord. On me montre une festivité comme s'il y avait à l'avoir un concours de théâtre ou quelque chose, comment dire, d'autres acteurs qui arrivent à cet endroit-là où vous devez aussi, je veux dire, vous mettre en avant. Et on me montre d'autres acteurs qui sont présents. Hein. On me montre beaucoup de personnes extérieures qui viennent aussi pour gagner, comme on gagne un concours, hein, on me montre ça. Et vous êtes assez impressionné par leurs costumes, par ce qu'ils sont. Et on me montre le côté avec des masques et tout ça. Et ça vous attire. Et on me montre des masques plutôt de l'Inde, des masques d'animaux, je dirais, vous savez, comme les Chinois quand ils fêtent le Nouvel An, de dragons et tout ça. Et ça c'est quelque chose qui vous impressionne énormément, en fait. D'accord? Voilà. Quelles sont ces cultures qui viennent avec ces costumes, d'où elles ont trouvé tous ces costumes? C'est quelque chose qui vous attire, hein? Et c'est la façon de se battre, vous voyez, de danser, de se battre avec les épées et en faisant des danses. Et ça, c'est quelque chose qui vous attire. La danse et tout un art, on me montre l'art, en fait. D'accord. Fini, on me dit. Après tout ça, c'est fini pour vous. Hein. Vous n'avez plus le droit. Hein. C'est un mariage. Tout de suite, on doit vous marier. On me montre un mariage vers 17 ans. D'accord? 16-17 ans. Tout de suite, il faut vous marier. J'ai l'impression que vous n'avez pas été assez raisonnable dans l'attente. Et je vois flirter avec un cousin. On me montre un cousin. Et on préfère vous marier tout de suite avant que, voilà, on découvre quoi que ce soit. Voilà. Il a abusé de vous, hein? Voilà. Vous n'avez pas pu vous défendre. On me dit que vous n'avez pas pu vous défendre parce que et donc on l'a surpris, on vous a surpris et on vous a rejeté la faute sur vous. Vous voyez, au moment qu'on vous a rejeté la faute sur vous, vous vous êtes senti abandonné, trahi par les femmes. Comment dire, en sachant qu'elle savait très bien que ça ne venait pas de vous, que vous l'aviez déjà signalé ce problème et que elles n'ont pas tenu compte et pour vous c'est un manque de confiance, vous voyez, une trahison. Il y a beaucoup de colère, hein, on me montre Sandra, il y a eu beaucoup de colère à cette période-là, d'accord? Obligée de se marier, d'avoir des enfants, où vous ne gérez pas votre famille, vous ne gérez pas votre vie, vous
Vous voyez, on montre un homme assez dur, un père assez dur qui règne sur vous, un oncle assez dur, des hommes assez durs, parce qu'on me montre ces jeunes hommes qui sont devenus aussi... vous voyez, et dans ce milieu d'hommes, vous vous êtes pas retrouvés aussi. Vous voyez, il y a le milieu de femmes que vous en voulez ne pas vous avoir protégé, et le milieu d'hommes où vous êtes très en colère. Et on me montre que vous n'avez pas envie de vivre, hein. On me montre que vous n'avez pas du tout envie de vivre dans cette période-là. Vous voulez partir, au moment que vous voulez partir, vous avez essayé de vous fuir. Vous voulez partir et vous ne pouvez pas partir. Vous n'avez pas d'argent. On me montre que vous n'avez pas d'argent. On ne vous a pas donné les moyens. On vous donne ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. De là va naître en vous une certaine colère intérieure, même si vous le montrez pas. Vous le montrez, mais vous essayez de vous contenir. Une colère intérieure qui va remettre en cause beaucoup de choses dans votre vie future. D'accord ? Alors, ce qu'on est en train de me montrer, Sandra, c'est que il ne faut pas vous enfermer, vous. Vous avez besoin d'espace. De liberté, c'est surtout ça. Vous n'aimez pas qu'on vous dicte les choses, d'accord ? À cette période-là, on vous dictait, on vous disait de faire les choses. Vous étiez assez intelligente pour savoir décider par vous-même. Mais vous voyez, au moment que dans ce lieu, on garde les enfants et après, vous étiez obligé de partir de ce lieu, de voyager, d'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous avez aimé, c'est de pouvoir partir. Voilà, de pouvoir partir. Et votre mari, il est comédien. On vous montre qu'il est dans la comédie, d'accord ? On vous a appris la couture aussi. Hein. À partir de 12 ans, on vous a appris la couture et vous faites des choses. Mais vous n'aimez pas ça du tout, en fait. Vous n'aimez pas du tout la couture. Vous êtes obligé de faire des costumes, des choses que vous aimeriez porter, être plutôt sur la scène. Et on vous interdit, c'est interdit pour vous, d'accord ? Hein ? Et donc, du coup, vous êtes frustrée de tout ça, de ne pas pouvoir vous réaliser. Voilà. D'accord. On me montre que vous vous laisserez mourir. Hein, à un moment donné, vous ne voudrez plus vous nourrir, hein, vous ne voudrez plus manger. La vie ne vous intéresse plus. D'accord ? On me montre un enfant qui n'est même pas élevé par vous, vous n'avez même pas pu l'élever. Hein. On me montre cette maison qui détient votre enfant, ce n'est pas vous qui élevez votre enfant. On me montre d'autres femmes de la famille qui élèvent votre enfant. On vous trouve assez fétiche pour ne pas de bonne santé, et on ne comprend pas forcément. On vous nourrit, mais vous vomissez tout. Vous n'arrivez pas à vous nourrir. On parle d'anorexie à cette période. Vous n'arrivez pas à vous nourrir. Et tout ça, c'est dû, Sandra, on vous a donné tout dans une enfance et après, on vous a tout repris. Et tout ça, ça a été pour vous très difficile à gérer, en fait. D'accord ? Et une grande tristesse s'installée en vous intérieurement, où vous ne voulez même plus vous exprimer, même plus parler. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire, mais pas forcément avec une volonté, pas de la volonté, rien du tout. D'accord ? On me montre que votre mari vous dédignera, hein, il va vous envoyer chez vos parents. Et c'est chez vos parents que vous mourrez. Et c'est là que vous vous confierez à votre sœur, à une de vos sœurs, en fait, la peine de tout ce qui est arrivé. En fait, la grande peine de ne pas pu avoir ne pas pu avoir à faire toutes les choses que vous pensiez pouvoir faire dans votre jeunesse et de vous faire avoir fait croire des choses que vous ne pouviez pas obtenir. D'accord ? Votre seul regret à cette période-là, c'est de ne pas avoir été un garçon pour pouvoir faire des choses par vous-même. Je pense, si vous aviez été un garçon, vous auriez voyagé. Hein. On montre que le voyage aurait été très important pour vous. C'est ce que vous auriez voulu faire, en fait. D'accord ? D'accord, Sandra ? Pour vous, dans l'enfance, on me montre qu'il n'y avait pas de distinction pour vous d'être une fille ou un garçon. Pour vous, c'était tout à fait normal. Les deux avaient le même droit pour vous. C'est comme ça que vous l'aviez vu. D'accord ? Sans forcément... Il y a un côté naïf en vous. Vous voyez cet enfant qui est naïf et puis qui ne pose pas de questions, qui vit parce qu'elle est heureuse et qu'elle court, elle s'amuse et tout ça. Voilà.
Toute la différence, on me dit, toute la différence. Toute la différence. Sandra, vous avez des questions à poser? Non. Je pense que ça reflète pas mal de choses dans ma vie aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Alors, il est important, on me dit, de parler de ça. Il était important de parler de ça parce que votre corps, vous n'en avez pas fait ce que vous vouliez. Je veux dire, dans votre tête, on ne vous a pas laissé non plus réaliser les rêves que vous rêviez. Vous n'avez pas eu un mari compréhensif non plus, quelqu'un qui soit compréhensif. Et il vous répugnait, hein, on me montre qu'il était beaucoup plus âgé que vous, il vous répugnait, d'accord. C'était pas quelqu'un qui avait, on me montre quelqu'un qui avait un gros ventre, qui avait déjà été marié, sa femme décédée, et on vous a remis à cet homme parce qu'il avait de l'argent, parce que, voilà, c'était surtout une question financière, d'accord. Et vous avez, pour vous, ça a été une trahison d'une vente, comme si on vendait une esclave, hein. C'était pire que ça pour vous, c'était encore pire puisque vous aviez, vos parents étaient modestes, mais quand même ils auraient pu choisir mieux, voilà, mais choisir mieux pour eux c'était l'argent, c'est ce qu'on me montre, d'accord Sandra, et vous en avez souffert, on me montre, de tout ça en fait, hein. On vous a donné tout et puis après on vous enlève. Alors vous vous appelez Amber. D'accord. Par contre, quand vous étiez enfant, dans une pièce de théâtre, on vous appelait Andros. Ah oui. D'accord, Andros. Oui. Voilà. Et vous préfériez qu'on vous appelle Andros qu'Amber. Oui. Hein, Amber, je crois que ça veut dire ambre, en fait. Mm-hmm. Voilà, ambre. D'accord. Pour vous, vous n'étiez pas si ambre que ça. Vous étiez ambre peut-être enfant, mais après, celle qui brille dans l'ombre, vous voyez. Non, voilà, et vous ne vous ressentiez pas comme ça, d'accord, voilà. Alors c'est votre sœur qui vous a soigné, c'est votre sœur qui s'est occupée de vous, on me montre, voilà, qui a été votre porte-bonheur, hein. On me dit qu'elle a été votre porte-bonheur, c'est elle qui s'est toujours souciée de vous, on me montre une sœur qui a une dizaine d'années de plus que vous, et c'est elle qui s'est toujours souciée de votre santé, qui venait souvent vous visiter et qui vous ramenait quelque chose à manger, elle préparait quelque chose et elle vous ramenait quelque chose à manger. C'est elle qui a pris soin de vous, vous étiez très, très proche de votre sœur par l'amour, hein, d'accord. Elle s'est battue pour ne pas vous faire, elle a demandé, elle a supplié votre mère de prendre une position vis-à-vis de votre père, de ne pas vous faire marier avec cet homme qui vous aurait pas rendu heureuse. Elle voyait bien que vous étiez en train de dépérir au fur et à mesure, d'accord. Elle-même, elle a eu, on me montre, un beau mariage, hein, un mariage assez, voilà, et c'était regrettable pour elle de voir que vos parents, alors vous étiez quand même une enfant qui s'affirmait, qui disait les choses, qui disait les quatre vérités, et à un moment donné, vous voyez, vous vous êtes renfermée dans vous-même, et elle a toujours été là pour vous comme une maman, en fait, vous lui disiez que c'était votre maman, hein, pour vous c'était votre mère, hein. Par contre, votre mère, pas du tout une mère affective, ce qui comptait c'était de faire plaisir à son mari avant tout, et pas, les enfants passaient vraiment en catégorie deuxième, second ou troisième, hein, d'accord. Donc pas du tout une famille aimante et compréhensive vis-à-vis de vous, d'accord, hein. Voilà Sandra. Votre vie, bon, on n'a pas toujours des vies extraordinaires, mais on peut avoir des vies extraordinaires, on va voir après par la suite. D'accord, oui, oui. On va voir avec ça. Mais on me dit, Sandra, que cette période-là a été très néfaste par rapport à ce que vous avez. Vous voyez, au lieu de vous dire, bon, je suis peut-être avec un homme, truc, mais il a les moyens, donc peut-être faire comme ma mère, être plaisante et tout ça, pour pouvoir sortir et faire des choses. Au contraire, vous vous êtes enfermée vous-même. Oui. Au lieu d'aller vers l'avant et de dire, voilà, j'ai un homme qui est fortuné, je peux faire des choses avec lui, je peux me réaliser autrement comme ma mère a fait avec mon père. Eh ben non, ça ne vous a pas donné, vous voyez, d'aller au-dessus de lui. Parce que c'est un homme qui vous aurait donné tout si vous vouliez, en fait. C'est vous qui ne vouliez pas.
D'accord, hein. Voilà. Et on me dit, et votre sœur vous a sollicité de prendre un amant, de prendre quelqu'un d'autre en amant et de ne pas forcément le dire parce que c'est quelqu'un qui se déplace. Mais ça vous intéressait pas. Votre sœur vous a sollicité de prendre un amant afin d'être heureuse. Voilà. Même si tes parents t'ont choisi, prends un amant. Voilà. Mais j'arrivais pas. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Vous avez bloqué la situation de vous surmonter. Et à un moment donné, de prendre une décision, même s'il était là, je veux dire, c'était pas forcément quelqu'un qui était sexuellement dans la demande, d'accord? Parce qu'il allait ailleurs aussi. Donc, vous auriez pu, de cet avantage, et votre sœur, au moment que votre sœur. Mais vous, c'était hors dehors de ce contexte, en fait. D'accord? Surtout que c'était reconnu, on me dit, à l'époque. On me dit, c'était reconnu, on le disait pas, mais c'était voilà. Parce que pour vous, je pense aussi, vous avez confondu la femme et l'homme par rapport à ce que vous avez été aussi. D'accord, hein, Sandra? Il y a une confusion. Et aujourd'hui, vous avez certaines séquelles, on me dit, de cette période-là qu'il va falloir surmonter. Oui, ça me parle beaucoup, tout ça. Ça vous parle? Voilà, qui peut surmonter. Voilà. Allez, on passe à la deuxième période. Deuxième, on parle de. Oui, il y en a, hein, des vies, hein, mais on parle celles qui sont plus proches pour que vous compreniez. Ok, il fait pas beau, hein. On parle du Moyen-Âge, là. D'accord, hein? On parle du Moyen-Âge et on parle de l'Allemagne, en Allemagne. D'accord, Moyen-Âge, Allemagne, naissance, naissance en 1000, attendez, 1100, 1150, 50, je pense, 1150, il me semble que c'est 1150, en Allemagne. D'accord. Une jeune fille, une petite fille qui prie beaucoup. Là, on parle d'une famille, une bonne famille, d'accord? Une famille où il y a une éducation, où il y a une éducation, où il y a, comment dire, vous êtes très proche de votre père. On me montre que vous êtes très très proche, vous êtes la fifille à votre père, d'accord? La bien-aimée de votre père. Hein. Vous êtes une fille, là, et on me dit que vous êtes chouchoutée, que vous êtes. Il vous adore, votre père, d'accord? Alors là, on me montre que vous êtes l'aînée d'enfants. Votre maman a du mal à avoir des enfants, vous voyez, elle fait des pertes de. Voilà, ça n'arrive pas. Vous êtes un miracle. Pour lui, vous êtes un miracle. Hein. D'accord? Vous êtes son miracle. Et il prend soin de vous garder. Et pour lui, c'est une bénédiction de vous avoir en tant que fille. Hein. Va savoir pourquoi. Alors qu'à l'époque, cette période-là, on est plus attiré pour les garçons, pour la guerre et tout ça, pour être dans le trône. Mais là, il est vraiment en admiration, votre père, par rapport à vous. D'accord? C'est quelqu'un qui aime énormément votre mère. Hein, et vous ressemblez beaucoup à votre maman. Hein, on me montre ça. Et lui, il est content de vous avoir en tant que fille. Hein? Là encore, c'est un homme qui va vous apprendre tout ce qui est épée. Vous allez être dans ce milieu. C'est drôle comment vous choisissez vos vies, hein, quand même. Tout ce qui est les armes. Voilà. C'est quelqu'un qui. Mais vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la prière, qui est énormément. Qui avait besoin d'un côté spirituel. Voilà. Ce qu'on est en train de montrer d'avoir ce côté spirituel, d'ouverture, et on me montre quelqu'un qui est plutôt dans la chrétienté, d'accord? Voilà. Et j'ai l'impression qu'on se rachète aussi, Sandra, le besoin de se racheter, d'accord? Voilà. À l'époque, au grec, vous ne croyez en rien, les Athènes, un truc, c'était pas du tout votre truc, voilà. Et je pense que peut-être qu'il manquait quelque chose à vous, une source. On me dit la source, quand vous étiez justement à Athènes, je pense qu'il vous manquait une source de lumière spirituelle. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, vous êtes venu chercher cette source. D'accord? Voilà. D'accord. Pas de mariage pour vous, vous en voulez pas. Hein, votre père va vous élever, je suis l'homme de ta vie. Hein. C'est comme ça qu'il va vous élever, votre papa. Hein.
pour vous, votre père, c'est l'homme de votre vie, d'accord? Et après, il y a Jésus, hein, c'est ce qu'on me montre, c'est votre mari, Jésus. C'est comme ça qu'on me montre. Votre père, c'est votre, l'homme de votre vie, et Jésus, c'est votre mari. C'est comme ça que vous considérez les choses. D'accord ? Que vous allez faire part à votre père, vous êtes quelqu'un qui parle énormément avec votre père, vous allez énormément vous confier à lui, et lui, très à l'écoute, c'est quelqu'un qui vous aime et qui va accepter vos désirs. D'accord ? Vos désirs plus profonds. Hein? Par contre, il vous aura appris au moment que la musique, le chant sera très important pour vous. Hein? Vous aimez le chant, chanter, la musique. Vous aurez une éducation, hein, de la musique, du chant, de bonne famille. Hein? On me montre ça. Alors, on vous courtise. Hein? On me montre qu'on vous courtise, on vous sollicite au mariage et tout ça. Votre maman, hein, mère, aimerait bien que vous vous mariez, mais votre père dit... C'est elle qui décide, voilà. Alors, il y a eu d'autres enfants par la suite, d'accord, mais on voit un décalage d'enfants, hein, on voit un décalage de 10 ans, 10 ans avant qu'elle ait deux autres garçons, d'accord. On parle de deux jumeaux, elle a eu deux garçons et deux jumeaux, donc vous avez un décalage avec vos frères de 10 ans, d'accord. Voilà, on montre ça. Vous serez toujours la chouchou de votre père, hein, on montre ça. Tout ce que vous voulez, vous êtes pourri gâté, hein, tout ce que vous demandez, eh bien, il accepte, d'accord. Voilà, vous apprenez à monter à cheval. Par contre, on me montre quelqu'un de très pieuse, quelqu'un qui est très connecté à la nature, quelqu'un qui a besoin d'aider les autres. Vous êtes quelqu'un de généreuse. Pourri gâté dans le sens que votre père vous donne ce que vous voulez, mais c'est aussi pour partager aux autres. C'est pour pouvoir transmettre et donner aussi aux autres. Hein? On me montre aussi, Sandra, Adélaïde. Vous vous appelez Adélaïde. Voilà. À cette période-là, vous n'êtes pas du tout, même si vous avez des choses, la pauvreté autour de vous, c'est quelque chose qui vous frappe, qui vous fait souffrir et qui vous fait du mal. Intérieurement, vous ne comprenez pas, parce que bon, quand on est un enfant qui est né là-dedans, on vit dans la richesse, on reste dans la richesse, on pense dans la richesse. Mais vous, vous êtes quelqu'un qui est très sensible justement à la pauvreté et tout. Et ça, c'est par rapport à vos vies aussi avant. Donc, on a une sensibilité. Vous avez cette sensibilité et vous êtes dans le partage en me montrant. Et votre père apprécie énormément ce côté, de donner aux autres, de partage aux autres. Voilà. Alors, vous allez décider de rentrer dans le couvent, on me dit, ne pas vous marier. Et votre seule solution pour garder votre virginité et ne pas être souillée par un homme qui vous désire, vous allez rentrer au couvent, on me montre dans un couvent. Vous allez rentrer en couvent, mais pas n'importe quel couvent, on me dit. Pourquoi pas n'importe quel couvent? D'accord. On me montre que vous allez rentrer dans un couvent où vous allez pouvoir expérimenter, chanter, écrire, participer, c'est ce qu'on est en train de me dire, à une évolution. Hein? On me montre ça, évolution. Pourquoi évolution? Alors, tout ce qui est les plantes, la nature, tout ce qui est lié aux plantes, aux soins, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. D'accord ? Tout ce qui est lié aux plantes. Et on me montre que vous jardinez, que vous faites des plantations de plantes, d'aromates, de plantes médicinales. Hein? On parle de plantes médicinales, que vous aidez à la participation et que vous êtes une élève de qui ? Alors, on montre une femme, que vous allez l'aimer, cette femme, plus que... Comment dire, l'aimer d'un amour comme une mère, mais comme une sœur, mais plus que ça encore, d'accord. Vous allez aimer cette femme d'un amour inconditionnel, cette femme. Vous allez la regarder, on me dit, comme un homme qui peut regarder une femme, mais on me montre, pour elle, c'est un peu comme Marie, hein, on pourrait dire dans la religion catholique, comme regarder Marie. Dans toute sa splendeur, hein, vous voyez. Et vous regardez cette femme aussi, vous la considérez comme une sainte, la regardez comme dans toute sa splendeur, on me montre, d'accord.
C'est elle qui me forme, c'est ça, j'ai C'est elle entendu. qui, voilà, c'est elle qui vous forme. Elle forme d'autres jeunes femmes, hein, de jeunes filles, on me montre. Et vous êtes, vous êtes en admiration, on me montre devant elle, hein. Et y a un désir profond en vous, comme un désir sexuel, on me montre, mais un désir aussi plus que sexuel. Ça n'a rien à voir, c'est un désir d'amour inconditionnel, c'est ce qu'on me dit, un amour fusionnel avec elle, d'accord? Mais vous êtes aussi dans un groupe de femmes, hein, où tout est fusionnel entre vous, c'est tout à fait normal, hein, aussi. Voilà, quand on vit avec les sœurs, on devient, voilà, fusionnel entre nous, hein, on partage des choses. Je veux dire catholique, voilà, de prière, de nourriture, voilà, on partage un peu comme une amazone, hein, d'accord, hein, voilà, sans être amazone, voilà. Elles doivent faire face aux choses. On montre un couvent, un grand couvent. Et je vous vois en train de préparer. Et vous avez un enseignement, hein, on me montre un enseignement médical. Vous êtes amené à soigner les autres, hein, on me montre à soigner les plus, comment dire, les plus pauvres. Et c'est votre mission de pouvoir aider, être un peu une missionnaire. C'est ce qu'on, voilà. Mais il y a beaucoup de chants, de théâtre, on s'amuse, et voilà. Et on me montre aussi, Sandra, en tant qu'Adélaïde, vous êtes quelqu'un qui composait, hein, on me montre des chants et on compose. Elle vous apprend des choses, vous n'êtes pas trop douée sur ça, hein, mais voilà, vous avez la musique en tête, vous savez voilà, vous savez comment le chanter, mais vous ne savez pas le mettre en note ou quoi que ce soit. Elle vous apprend, mais vous n'arrivez pas à le rentrer. C'est pas possible, c'est pas pour vous. D'accord? Mais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'arrivez pas à la rentrée. Hein, vous êtes très mauvais élève. Hein. Par contre, vous savez chanter, on me dit. D'accord? Donc ça l'a fait beaucoup rire. Hein. Il y a beaucoup de joie, de rire et tout. Vous vous êtes épanouie à cette période-là. On me dit que vous vous êtes épanouie. Vous avez réalisé une partie de vous intérieurement qui vous a nourri spirituellement. Aussi en tant que femme, en tant qu'être. Hein. C'est surtout ça, en tant qu'être. Hein. Voilà, vous avez nourri votre âme. Alors, on me parle de Hildegarde. D'accord, j'ai compris. Hildegarde. D'accord, c'est elle. C'est sœur Hildegarde qui vous enseigne. Hildegarde. Hildegarde, oui, c'est sœur Hildegarde qui vous enseigne tout ça. C'est quelqu'un de très joyeuse, c'est quelqu'un qui est très sérieuse et puis tout d'un coup très joyeuse, vous voyez, et elle a ces deux côtés à elle qui elle est comment dire, elle est lumineuse, hein, on me montre, et ça c'est quelque chose qui vous aimeriez être elle, vous voyez, on me montre que vous aimeriez être elle, c'est vraiment votre mentor, hein, d'accord, voilà. D'accord. On me montre que vous allez prendre soin d'elle, hein, que vous allez prendre soin d'elle dans ses derniers jours, mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vivra longtemps. Hein. On ne me montre pas quelqu'un qui vivra longtemps. Et vous allez prendre soin d'elle. D'accord, hein. Vous allez faire partie de celle qui va prendre soin d'elle. Elle va toujours vous donner des conseils, toujours de vous donner, voilà, pense à toi, fais des choses par toi, réalise-toi, prends la vie comme elle vient, voilà, reconnecte-toi. Elle vous demande de vous reconnecter tout le temps, de vous reconnecter, de demander. J'ai l'impression qu'elle a un côté voyance parce qu'au moment qu'elle donne, elle est visionnaire du futur, hein, elle donne des informations du futur, elle parle, d'accord, hein. Et ça, c'est quelque chose qui vous surprend. Alors, elle a un côté, mais elle est médium, j'ai l'impression, Sandra. D'accord? Elle me montre que c'est quelqu'un qui a une médiumité. Alors, la médiumité, en tant que sœur, c'était pas... Et puis, chanter à cette période-là, il y avait que les prostituées qui chantaient, hein, on me dit. D'accord? Elle, c'était tout à fait différent. Et vous, vous voyez, on me montre des chants célestes, on chante des louanges. Et vous aimez chanter, hein. Est-ce que vous aimez chanter, Sandra, aujourd'hui? Oui, j'adore. Ah, oui. Voilà. J'ai l'oreille. Vous avez l'oreille? Parce que cette période-là, vous avez l'oreille, vous savez, comment dire, fredonner la musique que vous entendez, d'accord? Mais vous ne savez pas la mettre en note. Hein. Vous ne savez pas la mettre en note. Et donc, du coup, c'est difficile. Alors, vous allez essayer tout ça, et on me montre qu'on vous corrige, qu'on vous dit, voilà, est-ce que c'est ça? Et vous dites, non, c'est pas ça. Vous voyez, on me montre comme un piano, un orgue, en fait, on fait dessus, puis
Et puis c'est difficile, hein. En fait, vous avez l'oreille, mais vous ne savez pas le mettre en... Ah oui, je suis encore comme ça. Hein. Voilà, vous savez. D'accord. Alors aujourd'hui, vous auriez pu apprendre justement à mettre en note Sandra. Alors on me dit qu'elle a d'autres occupations. Peut-être dans une autre vie, on verra peut-être. Hein, mais vous voyez, vous pouvez entendre de la belle musique dans vos oreilles, mais pas le savoir. Ouais. Le mettre ou le fredonner comme il faut pour pouvoir le mettre en note. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est pas ce que je préfère. Voilà. Parce que c'est. Alors, aujourd'hui, peut-être parce que. Oui, on me dit que parce qu'il y avait d'autres choses à régler avant ça aussi. D'accord? Voilà. Ouais. Voilà, c'est de notes. On me dit que ce sont des notes célestes. Hein. Comme les oiseaux qui s'envolent. Voilà. Je pense que l'oiseau est très important pour vous. Tout ce qui est lié à l'oiseau, l'envol en fait, l'oiseau, les oiseaux. D'accord ? Parce qu'à cette période-là, il y avait beaucoup d'oiseaux, vous étiez entouré d'oiseaux et c'était important. Les oiseaux venaient manger les petites graines que vous mettiez, les sœurs, venaient, et vous aimiez voir ce petit paradis, ce petit bout de jardin paradisiaque où les oiseaux venaient chanter, où il y avait beaucoup de papillons, beaucoup d'insectes qui venaient. D'accord ? C'était important pour vous, c'est votre petit paradis, on me dit. Mais j'ai un tatouage sur un oiseau. Hein. D'accord. Et on pense un petit oiseau, vous savez, ces petits oiseaux avec un petit, comment on appelle ça, un bec long qui butine dans les fleurs pour aller chercher. Voilà. Mm-hmm. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a des petits insectes qui ont cette petite forme aussi. Voilà. Ok. Alors, cette période-là, vous allez avoir une vie heureuse, mais quadrée, hein, on me montre quadrée quand même. Vous sortirez très peu, on a l'impression que vous êtes enfermé là aussi encore, pour vous protéger. Vous voyez, Sandra, l'enfermement, vous étiez enfermé en vie en tant que grec, vous êtes enfermé encore aujourd'hui. Dans cette, en tant que, même si vous étiez dans un couvent, mais on montre encore le besoin. Vous ne vouliez pas sortir, hein, on montre que vous étiez bien, c'est une façon pour vous de vous protéger. Vous aviez peur, on montre que la peur était présente chez vous, peur du malin, peur qu'on vous fasse du mal, peur de souffrir, hein, d'accord, hein, voilà. Votre père... On ne me montre pas que votre père a eu la permission de venir vous voir, mais on me dit que si, mais derrière un quadrillage, hein, et vous n'avez pas le droit de vous toucher ou quoi que ce soit. Ça a été une grande peine pour lui, parce qu'il est décédé, vous n'étiez pas présente, et il vous a appelé, on me montre, il vous a appelé, il a souhaité que vous soyez là au moment de son départ, vous n'avez pas pu être présente, on me montre que vous n'avez pas pu être là. Et on a peur au moment de quelqu'un qui était craintif de sortir. Pourtant, vous aviez la possibilité de sortir, d'aller au marché chercher la nourriture, ce qu'il fallait pour vous nourrir et tout ça, d'accord. Mais au dernier moment, vous allez dire oui, je vais y aller. Au dernier moment, on me dit vous faisiez remplacer par une autre sœur. Vas-y, parce que moi, je suis pas en condition. Vous voyez, je pense aussi, Sandra, que cette période-là aussi, c'était aussi pour vous retrouver, que c'était important aussi de faire des choses que vous n'aviez pas pu faire en tant que dans cette vie grecque qui est compliquée pour vous, et réparer aussi des choses aussi, d'accord, vous épanouir. Mais vous avez été heureuse, hein, vous avez prié pour l'âme de votre père, vous avez été triste, mais pas de chagrin, de tristesse à vous faire souffrir, parce que vous saviez que son âme allait monter, qu'il avait été généreux pour vous et que c'était important. Il y avait beaucoup plus le lien avec votre père qu'avec votre mère, hein, cette période-là. D'accord, hein. Une mère un peu effacée de vous, hein. C'est drôle comme les mères sont effacées de vous. Alors je ne sais pas si dans cette vie votre mère est effacée, mais on montre que ces deux vies, elle a été effacée, hein. Elle n'a pas été forcément à votre écoute. Oui, j'ai eu beaucoup de choses avec ma mère, difficiles dans cette vie. Ouais. C'est mon papa qui m'a élevée tout seul en fait. D'accord, donc on comprend. On comprend bien. Et on me dit que dans cette vie, votre papa vous a élevé, il aurait voulu vous donner plus, mais il n'a pas pu vous donner plus. Et ça, ça a été... dans cette vie actuelle. Il m'a donné ce qu'il faut. Voilà. Il m'a donné beaucoup. Mais ce qui est drôle, Sandra, c'est que vos vies se gèrent encore. Vous voyez, il y a encore des choses peut-être à comprendre, des petites choses. Voilà, on verra après par la suite.
Vous avez des questions, Sandra, ou c'est bon? On continue? Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, on parle du 19e siècle. Un peu plus récente, hein, quand même. Oh, vous avez été longtemps à ne pas vouloir venir, hein, on me dit quand même. Hein, entre cette vie du Moyen-Âge en Allemagne, vous avez quand même... Alors, vous ne supportez pas le froid, on me dit, parce que vous étiez en Allemagne. Vous étiez quelqu'un de très frileuse. Aujourd'hui, le froid, pour vous, c'est voilà, il faut toujours s'habiller chaudement, voilà, avoir des t-shirts, un t-shirt et un pull, un gilet. Voilà. Alors, on parle du 19e siècle, là. Siècle. Ok. D'accord. Alors, on me montre dans que vous êtes à la cuisine. On me montre dans une cuisine. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a plein de femmes qui se. Vous voyez, on me montre des tabliers, des femmes qui sont des gouvernantes. On me montre une maison et des gouvernantes, des femmes qui s'atterrent, hein, à droite et à gauche. Et j'ai l'impression que vous êtes orpheline. Hein, on me montre dans une. Ah, voilà, d'accord. On me montre un pensionnat. C'est plus un pensionnat, une orpheline. D'accord, hein. On vous a abandonné enfant et on me montre qu'on est en train de vous nourrir. Et vous êtes sur une chaise, hein, ce qu'on me montre. Hein, il y a plein de chaises, hein, assez hautes. Et on montre des enfants qu'on leur donne à manger. Une cuillère. Vous allez vivre dans un orphelinat. Voilà. Vous êtes une fille encore. Là, vous êtes une fille. Alors c'est drôle, c'est difficile, pourquoi on montre ça? Alors, vous savez, là il n'y a pas forcément la compréhension, je vais dire, on vous donne à manger, on vous change les langes, on vous couche, on n'a pas le temps de vous faire un petit bisou, un baiser. Vous voyez ce qu'on me dit, on n'a pas le temps de vous embrasser, de vous prendre dans les bras. C'est vraiment, il y a trop d'enfants. C'est comme s'il y a eu beaucoup d'enfants orphelins qui ont été abandonnés. Il faut s'occuper de ces enfants, il y en a trop. Et donc, du coup, on n'a pas le temps de vous prendre dans les bras, de vous embrasser, de voyez ce côté affectif, en fait, de vous donner un enfant, les caresses qu'un enfant a besoin dans sa naissance pour grandir. Hein. Voilà. On donne à manger, on vous change. On a l'impression que c'est drôle, Sandra, c'est que vous avez besoin de contact. Je vous vois bébé, et le besoin de contact, de la chaleur d'une main, et chaque petit contact qu'on vous touche la peau, c'est comme si vous aviez besoin de le ressentir enfant. C'est, vous voyez, de puiser dans l'amour d'un geste qui vous est inconnu, en fait. D'accord? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui font ça, et on cherche un peu l'odeur de la mère, hein, l'enfant qui cherche l'odeur de la maman. Où elle est ma maman dans tout ça? Je ne trouve pas ma maman, en fait. C'est la première fois qu'on me fait sentir un truc pareil. Voilà. Un enfant qui ne voit pas et qui n'entend pas. Voilà. Qui entend. Voilà. Et on vous recouche. Il faut dormir. Il ne faut pas pleurer. Et on vous balance. Vous voyez, on vous balance pour que vous dormiez. Et puis à un moment donné, vous êtes tellement saoul du balancement que vous laissez vous endormir. D'accord? Une enfant qui n'a pas du tout, qu'on élève comme ben on me dit aujourd'hui, comme on élève les poussins, hein, pour leur viande. Voilà, on leur donne des hormones, mais finalement, ils n'ont pas le temps de grandir tranquillement. Voilà, c'est un peu comme ça pour vous. D'accord. Alors, vous allez être au milieu de cette... de cette de ce milieu, voilà, et on vous montre qu'on va vous on va venir vous chercher, une famille va venir vous chercher, mais c'est pas votre famille, on montre que c'est quelqu'un qui va venir vous chercher pour travailler dans une grande maison, voilà, on vous fait travailler dans une grande maison, et on vous montre une maison luxueuse, hein. Vous n'avez jamais vu ça, pour vous c'est
Comment peut-on vivre dans une maison aussi luxueuse? Vous découvrez en fait, vous découvrez les choses et on vous met à éplucher des pommes de terre et vous devez avoir 8 ans, 9 ans. Hein, vous voyez les légumes? Voilà. Oui. On épluche les légumes, on fait les légumes, on épluche les légumes et constamment, les fourneaux sont toujours en marche, vous voyez, et c'est une grande maison. On monte comme une sorte de petit château, voilà, un petit château, et il y a des serviteurs, et on vous engueule, hein, on vous dit, allez, va plus vite, et vous devez éplucher. Alors, vous êtes assez fragile des mains, au niveau de vos mains, assez fragile, d'accord? Alors, vous êtes bien nourri, hein, au moment que vous êtes bien nourri, voilà, il y a une dame qui est là, qui cuisine beaucoup, qui vous parle beaucoup, et elle vous appelle la tchotte, la tchotte. D'accord, la petite, la tchotte. Hein? Attention à la tchotte, hein? Voilà, elle s'occupe de vous, hein? Elle gronde les autres parce que vous êtes toujours dans les pieds des autres, vous ne savez pas quoi faire et elle vous dit, mais fais ci, mais fais ça. Parle pas comme ça la tchotte. Vous voyez, elle fait ça. Parle pas comme ça la tchotte. Et elle vous... c'est elle qui va vous embrasser, qui va vous prendre. Vous êtes assez répulsif parce que vous ne comprenez pas, hein, ce qu'elle est en train de... Voilà. Mais elle laisse-toi faire, allez. Allez, et puis elle vous prend dans les bras, elle vraiment... Elle vous montre quelqu'un qui a des gros seins. Et du coup, vous êtes étouffé sur elle, mais elle vous donne... Ça va être pour vous votre mère, en fait. D'accord, hein? Voilà, c'est elle qui va vous protéger. Elle dirige, hein, on montre que c'est quelqu'un qui a quand même de l'autorité, quelqu'un qui a de l'autorité, et on la raballe pas avec elle, hein, quand elle dit quelque chose, elle a dit, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Là, c'est un caractère assez quelqu'un de souriante, quelqu'un qui est joyeuse et tout ça, mais quelqu'un je veux dire, qui est vraiment dans la protection pour vous, et on l'écoute, les autres l'écoutent. Il faut faire attention, elle a été aussi orpheline, hein, au moment que ça a été aussi une femme orpheline. Elle sait ce que vous vivez. Et du coup, elle va vous prendre dans sa protection comme une maman. Et vous pourrez l'appeler maman, hein, elle vous dit même que vous pouvez l'appeler maman. Elle est complètement dans l'acceptation. Elle, les hommes, elle les a bannis de sa vie. Hein, d'accord? Elle a eu des amants, des trucs. Puis après, à un moment donné, au moment de quelqu'un qui a 40 ans, hein, qui a à peu près la quarantaine, mais une bonne maman. Voilà. Elle a eu des enfants, hein, on montre, mais ils sont des enfants grands qui sont partis, qui ne donnent même pas de nouvelles, et elle dit, mais j'aurais dû faire des filles que des garçons. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'elle parle, elle est assez... voilà. Et elle vous met un bol de soupe avec plein de légumes et avec un morceau de viande, et elle vous dit, mange la viande, tout de suite, voilà, ne montre pas que tu manges de la viande, mange de la viande. Elle vous fait manger de la viande, quand tout le monde est parti, elle vous fait manger de la viande. Voilà. C'était une chance de la rencontrer un peu. Exactement, c'est une chance de la rencontrer parce qu'elle va vous donner l'affection, elle va vous donner, transmettre des choses. On n'est pas, les autres ne sont pas forcément gentils, il y a quand même de la jalousie vis-à-vis de vous, et vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Vous voyez, on montre aux légumes et puis après on vous montre à faire du ménage, mais c'est pas du tout votre truc, le ménage, vous détestez ça, c'est pas du tout, et puis vous le faites semblant de pas faire les choses bien, comme ça derrière vous, ben, vous allez vous faire engueuler, mais on va vous remettre à la cuisine, c'est ce que vous voulez, ça vous intéresse pas forcément d'être dans le reste de la maison, et ça vous intéresse pas non plus de rencontrer les maîtres, voilà. D'accord. Alors là, on me montre que vous grandissez dans ce milieu et que on me montre vers l'âge de 17 ans, voilà, 17-18 ans, on me montre l'âge de 17-18 ans à peu près. Voilà. Vous l'appelez maman, hein. Vous l'appelez maman, hein. Vous l'appelez maman, hein? Maman, vous l'appelez maman, maman, voilà, vous l'appelez comme ça, maman, voilà. Et c'est quelqu'un qui, vous voyez, même vestimentairement, c'est quelqu'un qui pensera, il faut faire à la petite, à la tchotte, il faut lui faire ça, il faut lui préparer, voilà, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Vous voyez, elle s'est toujours occupée de vous. On me montre que c'est une famille qui va être ruinée, hein, on me montre que le,
que le père dépense énormément d'argent pour les prostituées. Hein. Mon oncle, c'est quelqu'un qui, pour montrer un signe de richesse, il va dans les maisons closes et on me montre que c'est quelqu'un qui gaspille beaucoup d'argent pour montrer richesse vis-à-vis des autres hommes. D'accord ? Voilà. Mm-hmm. Donc, il gaspille beaucoup d'argent pour montrer que lui peut se payer des prostituées. Je veux dire, hein, on montre maison close et du coup, il perd de l'argent. Sa femme ne comprend pas du tout où est passée sa fortune parce qu'il a un peu lipidé. Et du coup, on va être obligé de diminuer certaines personnes qui je veux dire, de ce petit château. On me montre que certaines personnes vont devoir quitter. Et vous faites partie de celle qui va devoir quitter ce lieu. D'accord ? Voilà. Vous ne savez pas du tout aller, hein. Votre maman, c'est comme ça que vous l'appelez, maman, elle veut vous garder, elle supplie qu'on vous garde et tout ça, mais c'est elle ou c'est vous, hein. On va lui carrément dire c'est elle ou c'est vous, vous allez décider de partir, d'accord ? On me montre Sandra que vous allez décider de partir. Vous vous appelez Frantine, d'accord ? On vient me dire Frantine, voilà. On vient de dire Frantine. Voilà, vous vous appelez Frantine. 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 Vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. Hein. Elle vous a donné quelques pièces, mais voilà, un petit sac, un petit truc. Elle pleure beaucoup. Hein. C'est pour elle, c'est un déchirement total pour vous aussi. Vous allez faire quoi ? C'est ça. D'accord. Alors, de toute façon, il n'y a pas grand-chose pour vous. Hein. On me montre que vous allez rentrer dans l'industrie, vous allez travailler dans une usine. On me montre que vous allez rentrer travailler dans une usine. Au moment que vous travaillerez dans une usine, vous allez être embauché dans une usine et que vous allez travailler. On me montre le textile, hein, tout ce qui est lié au textile, d'accord ? Voilà, vous allez travailler dans le textile. Là, on me montre que vous allez rencontrer un jeune homme qui travaille dans le textile et c'est quelqu'un qui vous cherche. Hein, on me montre un logement. Vous allez être avec d'autres femmes dans un logement où vous allez dire je n'ai pas où dormir ou tout ça. On va vous prendre en main. D'autres femmes vont vous prendre en main pour dormir avec eux, pour être avec eux. D'accord ? On me montre que vous n'allez pas beaucoup gagner d'argent et c'est très difficile pour vous. De ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir survenir à vos besoins. Voilà. Alors, vous arrivez avec vos besoins, hein, mais on vous demande de payer ci, de ça, une pièce par-ci, par rapport à ci, par rapport à ça. Vous avez des dettes parce qu'il a fallu vous payer par la suite, donc vous vous êtes mis un petit peu en dette par certaines personnes. On abuse un petit peu de votre argent, voilà, de ce que vous avez, de votre naïveté aussi. Voilà. Et là, on me montre un jeune homme, hein, on me montre un garçon qui tient à vous. On me montre un jeune homme qui tient à vous. Ouais, d'accord. D'accord. On me montre un jeune homme qui tient à vous. On me montre un homme qui tient à vous, qui travaille dans cette usine. Et c'est lui qui va vous défendre, c'est lui qui va vous... vous défendre et qui va vous... qui va vous protéger, voilà. Alors, on va vous solliciter de ne pas le courtiser, qu'il n'est pas sérieux et tout ça, mais il y a beaucoup de jalousie. Vous avez quand même été entourée de jalousie, hein, Sandra, dans vos vies, on dit aussi. Énormément de jalousie. Et cet homme, en fait, ce jeune homme, on parle d'un jeune homme, hein, il a à peu près votre âge, il doit avoir un an ou deux ans de différence avec vous, et on montre que c'est quelqu'un qui va vous protéger. Vous allez énormément l'aimer, hein, voilà. On me montre que vous allez même avoir une relation avec lui, que vous aurez un enfant avec lui, une petite fille avec lui, d'accord ? Ce jeune homme, je veux dire, il fera tout pour vous, hein, au moment où c'est quelqu'un qui fera tout. Vous serez heureuse avec lui, hein, vous aurez une vie heureuse avec lui. C'est un peu un sauveur, un ange qui est venu pour vous, c'est comme ça que vous vous dites, c'est l'ange qui est venu vous sauver de quelque chose, voilà, qui est venu vous sauver, hein. C'est comme ça que vous le voyez.
Voilà. Alors, on me montre une petite fille, que vous serez au haut ensemble, que vous aurez une petite fille, que vous allez élever votre fille ensemble, mais malheureusement, il aura un accident, et on me montre un accident, comment dire, avec une machine, hein, d'accord ? On me montre que, je ne sais pas si c'est son bras qui est rentré dans la machine, parce qu'on me montre un bras qui a été fracturé, qui a été coupé. D'accord, il mourra des suites des blessures. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a que le bras. Il y a une machine répare. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui répare les machines, qui remet en place les machines. D'accord. Comme un mécanicien aujourd'hui, un technicien, il répare les machines, il remet en place les machines et il va avoir un accident. Et quand vous allez l'apprendre, c'est quelque chose qui va vous déchirer le cœur. D'accord. Vous allez crier de souffrance. D'accord. Voilà. Pas forcément dans votre idée, c'est pas qu'est-ce que je vais devenir, non, c'est pourquoi vous m'avez enlevé cet homme que j'aime, en fait, c'est surtout ça. Il a été imprudent, on me dit qu'il a été imprudent parce qu'il aurait dû attendre que la machine s'arrête pour pouvoir y rentrer, et c'est comme si on me montrait qu'il rentrait entre deux parois pour aller réparer quelque chose, et il a été pris, et on me montre toute cette partie là il a été tout pris. Voilà, la machine l'a attiré, vous voyez, c'est comme des rodages, et il l'a attiré. Et il est mort broyé, en fait. Vous n'avez pas voulu voir, en fait, les femmes ont accouru au moment qu'elles ont pour aller voir, et vous êtes resté à votre poste parce que vous avez craint le pire, en fait. Vous n'avez pas voulu voir comment ça s'est passé. D'accord. La suite de tout ça, c'est que vous avez élevé votre fille seule. Hein, on vous montre que vous avez dû élever votre fille seule, et vous retournez avec ces femmes qui sont seules aussi à élever leurs enfants. Et vous avez dû élever votre fille avec très très peu de moyens. On vous montre. Et c'était difficile. On vous montre quelqu'un qui devait garder votre fille. Et c'est quelque chose qui vous peinait peine d'élever seule votre fille, en fait. Oui. D'accord. Alors, et là, dites-moi, Sandra, dites. Et mes parents, j'ai été abandonnée, là. Oui, vous étiez orpheline. Oui. Vous ne savez pas qui sont vos parents. Vous étiez orpheline, il n'y a pas de parents, là. J'essaie de comprendre. Attendez, non, vous n'avez pas de parents, vous êtes orpheline. Et on me montre que vous allez devoir rentrer dans la prostitution, Sandra. Pour subvenir aux besoins de votre fille, en maison close, hein, on montre en maison, pas prostitution extérieure, on me montre en maison close, d'accord, pour pouvoir protéger votre fille, pour pouvoir lui donner ce qu'il lui faut à votre fille, voilà, en maison close. Alors, vous n'allez pas faire ça longtemps, hein, on me montre à peu près, vous rentrerez en maison close peut-être pendant 6 ans, d'accord, mais vous n'allez pas continuer, vous n'allez pas faire une carrière, une vie complète dans une maison close. Hein. Alors, vous rencontrerez, dans cette maison close, vous allez rencontrer votre ancien patron, le patron là où vous avez travaillé, où vous étiez jeune, où vous avez été élevé. Vous allez le voir, en fait, cet homme, et il va vous percevoir, il va vous voir dans cet endroit, d'accord ? Il parlera même si vous vous êtes caché de lui pour ne pas vous faire voir, vous n'étiez pas du tout son genre, il avait ses femmes attitrées. En fait, vous ne vouliez pas qu'il vous voie, mais il vous a aperçu. Mais en fait, c'est une bénédiction pour vous qu'il vous ait aperçu. D'accord ? Parce qu'il va en parler. Il va en parler de ça, qu'il vous a vu dans cet endroit-là. Et votre mère, votre maman, elle va savoir que vous êtes dans cet endroit-là. C'est elle qui va venir vous chercher. D'accord ? C'est elle qui va venir vous chercher dans cet endroit-là. D'accord. Elle travaille pour une autre famille, hein, mais elle le sait, elle l'a su parce qu'on lui en a parlé. Les gens lui ont parlé. Et du coup, elle a su, et c'est elle qui va venir vous chercher dans cet endroit-là. D'accord. Quand vous allez la voir, vous allez pleurer toutes les deux parce qu'elle vous cherchait, elle ne savait pas où vous étiez. D'accord. Et on me montre, vous êtes dans dans un faubourg, hein, quelque chose de très grand, et elle vous a cherché, et elle ne savait pas où vous étiez. Vous aviez changé aussi de nom. D'accord, hein, de nom de famille. Elle ne savait pas où vous étiez. Elle vous a cherché pendant longtemps.
où vous étiez. Elle a changé de maison. On me montre que c'est quelqu'un qui a changé de maison, qui a changé, qui est toujours cuisinière, mais qui travaille pour une autre grande famille. Et elle vous a cherché pour pouvoir vous faire travailler avec elle dans son endroit, pour que vous soyez ensemble. Alors, on me montre que c'est quelqu'un qui va venir vous chercher et que vous n'allez pas du tout vous attendre à la voir, hein. Et elle va rentrer dans ce lieu et elle cherche Frantine. Mais qui c'est Frantine? Vous avez changé de nom, en fait, de prénom, d'accord? Vous ne donnez pas votre prénom. Qui c'est Frantine? Et elle dit, je sais que Frantine est là, et elle ne va pas partir tant qu'elle ne vous verra pas. Elle vous demandera de partir, de prendre vos affaires et de partir de ce lieu, que c'est pas un lieu pour vous. Vous allez lui annoncer que vous avez une fille aussi à récupérer, et elle va vous demander d'aller chercher votre fille. Voilà. Et elle va vous emmener dans cette maison, dans la maison où elle travaille, et c'est là que vous allez rester le reste de votre vie, et votre fille, à élever votre fille, d'accord? Vous travaillerez en cuisine avec elle, d'accord? Vous allez élever votre fille, et plus jamais ça pour aucun de mon enfant. Vous allez donner une éducation, elle va vous aider à donner une éducation à votre fille pour qu'elle ait les moyens d'étudier et de ne pas tomber dans la prostitution ou quoi que ce soit. Votre fille dans le futur sera une chanteuse, elle chantera dans les opéras, on me dit. D'accord? Voilà. Voilà. Elle chantera dans les opéras, on me dit. Ça sera quelqu'un de connu et on me dit qu'elle chantera dans les opéras. D'accord? Vous la mettrez dans la danse, votre petite, vous la mettrez dans la danse et elle dit pour que ta fille s'en sorte, vu qu'elle n'a pas de titre, vu qu'elle n'a pas de nom, il faut lui donner les moyens artistiques pour qu'elle y arrive. Voilà. Et elle aura les moyens, en fait. Voilà. Et de là, elle sortira justement, voilà, votre fille. Votre fille, voilà. Elle ne subira pas. Disons que la prostitution, après, vous la mettrez de côté. On ne saura pas qui vous êtes pour... Voilà. D'accord? Certains hommes vous reconnaîtront peut-être dans la rue, mais n'en parleront pas parce qu'ils seront au milieu de leur femme. D'accord? Voilà. Sandra. Mais... cette vie-là, vous avez dû... le malheur fait le bonheur des autres. D'accord? Pour ne pas aussi... je veux dire, on vous a donné aussi un enfant, cette période-là, pour ne pas commettre aussi l'erreur de devoir partir. Hein, de mettre fin à vos vies. Vous avez quand même, Sandra, on me montre un caractère fort, mais un caractère fragile aussi, encore aujourd'hui. Mm-hmm. D'accord? Vous vouliez une petite fille? Vous avez une petite fille, vous voulez une petite fille, vous vouliez une petite fille? Oui, j'ai fait beaucoup de travail pour avoir un enfant, oui, pendant 10 ans. D'accord. C'était difficile ici. Oui. Cette petite fille, on me dit que vous... que, comment dire... D'accord. Alors, on me montre que vous mourrez d'une maladie. Hein, vous serez, voilà, vous allez mourir d'une maladie. La syphile ou quelque chose comme ça, on est en train de me dire. Mm-hmm. D'accord. Vous mourrez de la syphile. Vous allez mourir de la syphile. D'accord. Alors, il y a une partie de vous que je dois vous dire en privé parce qu'on me demande de mettre en privé, donc je vais revenir en privé avec vous. D'accord? D'accord.